et se camoufle dans la mousse. Ah, quelle douceur! Souris est ravie. Mais, qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Quelle opère! Une maison de laine. Là, quelqu'un? Oui, oui, il y a moi, souris, et toi, qui es-tu? Je suis lièvre. Je peux entrer? Oui, j'ai froid. Oui, oui. Lièvre se faufile et se camoufle dans la mousse, tout contre souris. Ah, quel bonheur! Maintenant, ils sont deux dans la mousse, lièvre et souris. Encore, lièvre et souris entendent des gros bruits de pas et une grosse voix. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard. J'ai froid. Je peux entrer? Viens donc. Renard se faufile et se camoufle dans la mousse, tout contre lièvre et souris. Ah, quelle chaleur! Maintenant, ils sont trois dans la mousse. Renard, lièvre et souris. Cette fois, renard, lièvre et souris entendent un gros bruit de pas et une grosse voix. Quelle aubaine, une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, renard. Lièvre et souris, et toi, qui es-tu? Je suis sanglier. Je peux entrer. Je suis gelé. Ok, on reste un petit peu de place. Sanglier se faufile et se camoufle dans la mousse, tout contre renard, lièvre et souris. Ah, quelle erreur! D'énormes bruits de pas et une énorme voix. Mais Milo qui bouge. Il y a quelqu'un? Oui, oui, il y a nous. Pierre, renard et souris et sanglier. Et toi, qui es-tu? Je suis ours pour te laisser chez toi. Tu veux rentrer? Non, je reste de place. Ah bon, je veux voir. C'est comme ça, le conte finit là. Le premier narrateur, Gaston. Thank you.
de Ospotelefine.